Salut la compagnie, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. On va faire simplement une petite séance de tir sur cible cette fois. J'utilise donc des cibles destinées à être tirées à pistolet sur une distance de 10 mètres. Donc là je vais tirer avec une carabine avec une lunette 3x9x40 et sur une distance de 50 mètres exactement. Voilà, bon ben je vais tirer des balles subsoniques avec un modérateur de son. Quand le canon est froid, la première est complètement à côté. Vous n'en voudrez pas. N'importe quoi. Je vais ne tirer que 10 cartouches. Je profite du fait qu'il y ait enfin une éclaircie. Ça ne va pas durer parce qu'il y a un gros nuage qui arrive. Là j'ai la chance d'avoir un peu de lumière, même si c'est en contre-jour. Vous verrez, les deux premières cartouches sont complètement au-dessus de la cible. Donc certainement parce que le canon est froid. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les deux premiers coups sont toujours en dehors de la cible? Je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, j'aimerais connaître la raison. C'est pas terrible. Donc il fait environ 11 degrés. Il y a un vent à 35-40 km/h. Bon, on va voir. Voilà, donc ça c'était les deux premières, je n'ai rien touché et vous voyez les autres sont venus se loger ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, deux chargeurs de 5 coups, il y a donc deux doublés là, deux cartouches qui sont entrées dans le même trou. Donc je répète que c'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. Ce n'est pas une cible destinée à 50 mètres, mais une cible destinée à 10 mètres, qui est beaucoup plus petite.
Voilà, donc le kit de nettoyage, donc celui-ci doit coûter 7 ou 8 euros, donc ça vaut vraiment pas grand chose. Celui-ci est divisé en trois parties qui se vissent les unes dans les autres avec une poignée. Et puis il y a différentes brosses dont des duretés différentes, allant d'une dureté très importante en passant par un intermédiaire. Et puis moi je termine avec celle-ci qui est donc une espèce de coton, de moquette on dirait, enroulé tout autour d'un petit bâtonnet. Voilà, donc on va procéder donc au nettoyage de l'arme. On commence par enlever le modérateur de son. Ensuite, moi j'utilise pas donc la brosse la plus dure, puisque ma carabine n'ayant qu'un an, je n'estime pas, par rapport au nombre de coups que j'ai tiré, que le canon soit complètement obstrué par le plomb. Si c'était le cas, je mettrais un petit produit qui fait en sorte que le plomb en fait se désagrège, et puis cette sortie avec cette petite brosse très rigide. Là, en l'occurrence, je vais prendre d'abord l'intermédiaire, donc j'enlève la culasse. Toujours bien respecter le sens, on ne rentre pas donc la brosse par la bouche du canon, on la rentre par la culasse. On pousse doucement. On fait un aller-retour, deux allers-retours. Voilà. On va changer la brosse. Donc, vous voyez, cette petite spirale en fait va s'incruster dans les rainures du canon pour pouvoir le débarrasser des dépôts de plomb et de poudre. Alors certaines cartouches vont déposer beaucoup plus de poudre, comme les Eagle. Là je suis sur des Winchester et le dépôt de poudre est bien moins important. Donc pareil, je fais encore deux allers-retours. Donc là, ça va bien lustrer l'intérieur du canon. Et c'est impeccable. Voilà, donc on voit bien que l'intérieur du canon est parfaitement lustré et que donc les rainures sont parfaitement dégagées. Donc avec un petit coton-tige, on peut continuer de nettoyer les dépôts de poudre. Vous voyez que c'est pas du luxe. Bon, il suffit de le faire de temps en temps. Hein. Alors, soit vous remettez la culasse et vous mettez votre arme dans une armoire coffre, ou vous mettez donc ici un verrou de ponté, donc avec une petite clé pour bloquer la queue de détente. Ou bien, si vous avez simplement un petit coffre-fort qui n'a pas la taille de recevoir la longueur de la carabine, vous pouvez tout simplement donc enlever la culasse, puisque sans la culasse l'arme ne peut pas servir. Vous mettez la culasse donc dans votre petit coffre ainsi que les munitions et vous êtes en parfaite légalité. Quand vous graissez votre arme pour la lubrifier, pour améliorer donc la fluidité du mécanisme et également la protéger contre tout ce qui est corrosion, eh bien, n'utilisez jamais autre chose que de l'huile spéciale arme
et surtout pas de l'huile végétale comme je l'ai vu parfois. Voilà. Tac. Et ne pas sous-estimer donc le bienfait d'une housse, puisque ça vous permettra de protéger l'arme contre la poussière, mais surtout contre les à-coups, puisque le manche en bois peut quand même s'abîmer si vous la cognez par mégarde. Bon, pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, vous pouvez trouver donc des tests et présentations de ce produit donc en cliquant soit ici ou soit là. Donc laissez des commentaires, partagez cette vidéo. Et puis je vous dis bon tir et à bientôt. Ciao !